Et si le meilleur jeu de foot cet été, c'était Mario Strikers? On en est là, ouais. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un jeu de foot qui va sortir au mois de juin de cette année et c'est un jeu Nintendo. Et si vous connaissez Nintendo, vous savez que Nintendo c'est un gage de qualité. Tous les jeux Nintendo, quand ils sortent, ils sont finis. Ils sont finis. Il n'y a pas de mise à jour corrective, machin et tout ça. Non, quand Nintendo sort un jeu, il est fini. Donc, Nintendo pour moi, c'est égal qualité. Donc là, on va voir un jeu de foot, Mario Strikers Battle League Football, pardon, qui va être un jeu hyper arcade, bien sûr. Donc si vous attendez un jeu simulation, vous pouvez fermer la vidéo. C'est pas une vidéo pour vous, c'est pas un jeu pour vous. Ça va être un jeu complètement arcade, 1000% arcade. Mais pour autant, ça peut être un jeu super cool qui peut nous faire passer des heures dessus. Et au final, peut-être que pour certains, le meilleur jeu de foot, ça sera Mario Strikers. D'ailleurs, j'en profite pour dire quelque chose, c'est que par rapport à ma série Rétro Football, où j'ai testé presque 50 jeux rétro, il y en a beaucoup d'entre vous qui me parlent de Mario Strikers sur Wii. Mario, ça s'appelait pas Mario Strikers, ça s'appelait Mario Smash Football. Voilà, c'est ça. Et il y a eu aussi un Mario Striker juste derrière qui était sur Wii. Les deux jeux étaient sur Wii. Je n'y ai jamais joué à ces deux-là. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui m'en parlent. Qui me disent teste Mario, c'est un super jeu, etc. Et ben, je pense que vous êtes ravis de cette nouvelle et de la sortie prochaine de Mario Strikers. Donc, on va regarder le trailer ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense. Mais avant ça, un grand merci à OneFootball, le sponsor de cette vidéo. OneFootball, c'est la meilleure application, et ça c'est incontestable, de football pour suivre l'actualité du football, de vos joueurs préférés, de vos équipes préférées. Vous pouvez même regarder des matchs en streaming, et je pense que dans les mois et années à venir, ça va se développer sur OneFootball. Aujourd'hui, il y a des championnats qui sont très mineurs, mais je pense que plus on va avancer, plus on aura des championnats de moins en moins mineurs. L'application est gratuite et disponible dans tous les stores, et si vous la téléchargez à partir du lien que j'ai mis en description, vous me soutenez, merci beaucoup. C'est parti mon kiki. Je vous ai dit, c'est très arcade, hein. Il y a rien qui ressemble à une simulation, c'est hyper arcade, c'est un Mario. Après, au niveau des graphismes, c'est du Mario, hein. c'est toujours très propre, très soigné, mine de rien, même si c'est enfantin, hein. C'est du Mario, mais c'est toujours très propre. J'ai l'impression que les... Alors, j'ai jamais joué, au Mario sur Wii, mais j'ai l'impression que chacun a une armure propre, avec des capacités propres, et que cette armure vous donne droit à des capacités spéciales. Ah, Donkey Kong, c'est mon personnage préféré quasiment. Stylé. Eh, la physique de balle, elle est pas mal, hein. Elle est vraiment pas mal. Putain, par contre, lui, il est grave souple. Il est grave souple. Moi, je fais ça, je me casse l'adducteur. Mario Strikers Battle League Football. Prepare for strike. A 5-on-5 c'est pas mal, c'est sympa ça. That's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles. Je vous jure, ce jeu, je pense qu'il sera meilleur que Volta. Je suis sûr, ce jeu, il va être meilleur que Volta. Goals. Items. And crushing special shots. Il y aura des tirs spéciaux, mais celui-là, il était incroyable. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, voilà, c'est bien ce qu'il semblait. And pass accuracy. Voilà. Il y a des armures qui ont leurs capacités propres. Second, the hyper strike. Hyper frappe. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field
and charge it while your opponents are distracted. Donc chacun va avoir son hyper frappe. Et ouais, Luigi, hommage à Luigi Mansion. Allez, hyper frappe, ça va être quelque chose. Bah, la Switch, c'est vraiment une console pour jouer en famille. Là, on va pouvoir jouer à 8 sur la même console. C'est énorme. C'est incroyable, ça. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Ah, ça c'est cool, on va pouvoir jouer en ligne, mais aussi rejoindre, je pense que c'est ça, rejoindre des clubs en ligne. Join in-game club and compete for placement in the rankings. Ouais, comme UFL. Up to 20 players can join a club. So create your own and invite friends and family to play alongside. Ça c'est grave cool ça, tu peux créer un club et inviter 19 amis. Le nombre de joueurs ne peut excéder 20 joueurs dans un propre club. Et voilà, et tu peux créer ton propre club, c'est grave cool ça. Or join an existing one owned by other players. Ou rejoindre un club déjà créé, bien sûr. Try to become the world's top club. Ah, moi tu me parles compétition, première place et tout, je suis chaud. With items. Tackles. Et en vrai, je sais pas si Davos y regardera cette vidéo, mais comme Davos, il est au chômage technique à cause du football, je te jure, tu devrais te spécialiser sur Mario Strikers. À mon avis, il y a quelque chose à faire. Hein. And Hyper Strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers. Le 10 juin 2022. Launches on Nintendo Switch June 10. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this present. On peut déjà précommander le jeu sur le Nintendo eShop. Bah alors franchement, le jeu, il m'a je vais pas dire hypé parce que moi voilà, je cherche de la simulation, je cherche du réalisme, mais quand même je suis agréablement surpris. Le jeu est joli et il a l'air extrêmement fun et j'ai adoré l'idée des clubs en fait. Ça, j'adore ce genre de choses. C'est quelque chose qui devrait exister sur PES depuis des années et qui a même un petit peu existé avec la communauté, ça s'appelait la communauté à l'époque de la Ligue des Masters en ligne. Il y avait quelque chose qui ressemblait un peu à ça. Mais là ouais, créer son club et inviter des amis pour jouer sous la même bannière, je trouve ça vraiment super cool. Donc ouais, le jeu il a l'air vraiment vraiment cool, je vais essayer de me le procurer, même c'est sûr je vais me le procurer. Et d'ailleurs j'en profite, si vous voulez vous procurer ce jeu, n'hésitez pas par passer par mon lien d'affiliation Instant Gaming. Je suis aussi affilié, j'ai deux grands sponsors, OneFootball et Instant Gaming, n'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation Instant Gaming parce que vous pouvez acheter des cartes sur le Nintendo eShop. Il y aura peut-être même le jeu qui sera disponible directement sur Instant Gaming, ça on verra dans les semaines à venir. Mais s'il n'est pas disponible, vous pouvez acheter des cartes sur le Nintendo eShop en passant par mon lien Instant Gaming et vous les achèterez moins cher et donc du coup vous achèterez le jeu moins cher. Donc je pense que ouais, c'est un jeu que je vais acheter, c'est sûr. Déjà sur ma Switch j'ai quasiment tous les Mario. Mais là, celui-là, ouais, je vais l'acheter et c'est même possible que je fasse du contenu, voire même des tutos sur Mario Strikers, c'est pas impossible pendant cet été-là. Faire des petits tutos sur Mario Strikers, c'est pas impossible. Voilà, en tout cas, ça me plaît. Ce que j'ai vu, ça me plaît. Et quand c'est des jeux Nintendo, je sais que c'est la qualité derrière et que le jeu, il va être bon. Il va peut-être pas me plaire, mais le jeu en soi, il sera qualitatif. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner, de laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce trailer de gameplay qui était assez long. Et je vous dis à très bientôt. Salut.